Qu'est-ce qu'elle fait, Vita? Va-t-elle décorer la voiture? Il n'y a plus que la voiture la plus douce et la plus rose du monde. Tout en rose. Même les portes, je vais coller tous les coins. C'est magnifique. J'ai la voiture parfaite. Personne d'autre ne l'a fait. N'est-ce pas magnifique? Wow. Non mais je suis vraiment jaloux. Ah, j'ai une idée. Wow. Je vais avoir besoin de trucs comme ça, de quoi? Pas de politesse. Voici votre commande. Wow, c'était rapide de votre part. Oh, wow. Juste qu'il faut. Un noir. Je lui ai montré la classe. Parce que c'est la voiture vraiment cool. 3, 2, 1, c'est fait. La touche finale, c'est la meilleure voiture de ma vie. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, il faut mettre les pointes. Maintenant, ça fait peur. Ouais, génial. Quoi? Non, mais je rêve ou quoi? Waouh. Holy moly! Bon. Je vais pas abandonner si facilement. Maintenant, je vais faire la beauté à l'intérieur de cette voiture. Ouais. Les chaises douces. Un peu de détail. La housse de volant en rose est parfaite. Il est tellement doux. C'est fait. Oui, j'ai la plus belle des voitures. Oh, et toi, mon pote? Charmant. Ajoutons de la lumière. Je vais ajouter de la bande ici. Ça va briller. Ouais, super résultat. Alex n'a pas l'imagination nécessaire pour me battre. Est-ce qu'il a vraiment tout aussi transformé tout en rose dans l'intérieur? Non, je dois faire quelque chose. Je sais, j'ai une chaîne, moi. Mon volant sera bien aussi cool. Parce que ça sera du fer. Il faut juste attendre que la colle sèche. Ouais, parfait. Bon, il me reste de la colle. Il faut en rajouter. Le crâne aura l'air cool et vraiment dangereux. Bon, je vous l'avais dit. Et le crâne, juste là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, génial. Bien joué. Et le dernier détail. Maintenant, ça fait peur. Ouais, j'ai la meilleure voiture. Voyons ce qu'elle a. Comme c'est cool. Quoi? Non, mais... Voyons voir. C'est le crâne. T'es jalouse? Un peu de quoi. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Même pour mon chien. Ouh, bon garçon. Regarde ma voiture. C'est ici que tu vas dormir. Oh, quel cauchemar! Mon bébé ne pourra pas dormir avec les trucs comme ça. Ouais, je l'ai commandé en lit. Oh, tellement vite. Merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé. Je vais tout faire maintenant. Ton lit sera le plus confortable. Voilà. Regarde comme c'est mignon. Alors, t'aimes bien? Oui, je vois que oui. Ouais, j'adore ma voiture. Il est temps de prendre des selfies cool dans la voiture cool. Ouais, quel bel homme. Elles sauront comment laisser les voitures sans surveillance. Bon, je vais prendre tout ça. Vas-y, vite. Okay. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. L'argent? Le chien! Un énorme chien! On court! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Non mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que rien de grave n'est arrivé. Oh non, mon sac! Oui, t'as une bonne sécurité, toi. Un sac? Ouais, bon garçon.
pétasse, ça la semble être le tien. Ah, merci beaucoup. T'inquiète. Oh, toi, garde mes affaires, toi. J'espère que les voleurs ne viendront pas. Quel jeu cool. C'est impossible de s'arracher. Oh non, la batterie est morte. Que faire? Bingo. Oui, je sais. La seule chose meilleure qu'un jeu sur un téléphone est un jeu sur une console. J'ai même le bon endroit pour cela. Il faut juste ajouter une télé. Ouais, c'est un ajustement parfait. Et une console? Je vais tout mettre ici. Ouais. Et même les poufs. Ça va mettre juste là. Et je pourrai commencer à jouer. Ouais. Oh, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Salut, mon frère. Salut. Rejoins-nous. Oh, wow, c'est tellement amusant. J'adore. Oui, je suis tellement belle, moi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Elle joue sur une console. Sans moi. Eh bien, alors, je vais montrer comment vous amuser. Je vais mettre la boîte juste ici. Je vais ouvrir le coffre. Des trucs de fête, parfait. Oui. L'autre est juste à côté. Cool. Ouais. Beaucoup de lumière. C'est bien. Je vais mettre les guirlandes partout. Ma fête. Ma soirée. Ça va être génial. La musique. Regardez, je m'amuse tellement. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh ouais, cool, vas-y, on y va. Oui. Non. Et moi? Mes amis sont là. Amusons-nous tous ensemble. Mais pourquoi Alex ne s'amuse-t-il pas avec nous? Il joue tout seul. C'est ma faute. Alex, viens, on s'amuse. Comme c'est gentil de ta part, moi j'ai une autre suggestion. Tu veux bien jouer avec moi? Oui, bien sûr. Fais attention, je ne perds jamais. Je vais te montrer comment jouer. Waouh, c'est amusant. Merci de m'avoir invité. T'es la bienvenue. Oh, c'est quoi cette boîte? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quoi? Oui, c'est encore mieux ce que je pensais. C'est une décoration de voiture. Ça a l'air super. Et cette pièce ici? Oui, les disques roses. Juste ce qu'il faut. Oui, toute la voiture sera rose. Oh, regardez l'énorme nœud. Je vais le mettre juste ici. Et quelle princesse n'aurait pas de cils brillants? Et de jolies lèvres. Fais-leur un clin d'œil. Non mais se moque de moi, ma voiture devrait être aussi bien. C'est vrai. Je vais tout commander en ligne. Oh, merci, vous m'avez fait peur. Ok. Bon, tiens, voici tout ce dont j'ai besoin. Commençons par le rouleau, la peinture noire. Je vais tremper dans la peinture et c'est parti. Ouais, ma voiture sera toute noire. Des jantes, juste ce qu'il faut. Oh oui. Je vais être comme un pirate. Génial. Ouais, je vais mettre ça juste là. Et ouais. Génial. Oh, le rose me va tellement bien. Quoi? Non mais t'as décoré ta voiture aussi. Tu me répètes après moi. Eh ben non. Je l'ai inventé par moi-même. Ah ouais? Alors, tiens. Voici mes nouveaux tapis. Tellement doux. Et les temps de courir l'intérieur de la voiture aussi. Oh, comme c'est mignon. C'est doré et de la pince aussi, je vais le mettre sur le volant. Le tableau de bord doit être doux aussi. Et pour le frein à main, la boîte de vitesse, j'ai essayé où cela? Quelques épingles à cheveux, des cubes roses. Yes. C'est vraiment parfait. Oh, ça te plaît? Monsieur Licorne,
Tu seras assis juste là. Et quand j'ai bien décoré ma ceinture, maintenant ma voiture est tout simplement parfaite. Quoi? Mia a décoré l'intérieur? Oui, t'es jaloux? Non! Oh, j'ai quelque chose dans mon sac! Un drapeau de pirate pour les sièges arrière! Waouh! Et pour les sièges avant aussi! Et au lieu d'un volant, j'aurai un vrai volant! Un petit bateau de pirate pour le tableau de bord! Et encore des têtes de mort! Voici mon passager! Ça va, squelette? Oh ouais, je vais les dire! Attends un peu! Je te rappelle. Mike, c'est qui dans ta voiture? Ah, c'est un squelette! À l'aide! Tape mon sac, monsieur le squelette! C'est vraiment effrayant! Oh, wow. Il l'a arrosé de Nutella! Cool! Quoi? Charge à zéro. Non, il faut que je regarde mon... Non. Je crois que j'ai une idée. Ouais, je vais accrocher la corde juste là et attacher la tablette. Ouais, maintenant c'est vraiment con au ciné. Tu veux des chips? Tellement drôle. Encore un selfie. Et comme ça, voyons. Oh, je suis tellement bien dans ma voiture. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Mike? C'est quoi, c'est le ciné? C'est cinéma? Oh, j'ai une idée. Je vais juste aller dans le magasin et voilà la nouvelle télé. Je vais le mettre juste là. Viens ici, mon petit bébé. Je t'ai trouvé une super place, c'est parfait. Oh non, il faut vraiment une super place. Voilà. Ces poupes seront juste ici. Il faut juste appeler les copines. Oh, les filles, venez, prenez du pop-corn. Regardez comme c'est cool. Oui, vraiment, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais... Quoi? Est-ce qu'elle regarde un film sur des poupes? Oh non, je vais leur montrer. Il est temps de s'endrener. Et voilà, elle est où mon entraîneur? Et maintenant, je mets le tapis et je peux commencer. Et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux. Salut les filles! On fait ensemble. Et un, et deux, et un, et deux. Ouais, répétez après l'entraîneur. Qu'est-ce qui se passe? What? Est-ce qu'ils entraînent? Non. Bon, je dois arrêter avec le burger. C'est une boîte très lourde. Il y a mon matériel de gym dedans. Je vais mettre les haltères dans le coffre. Comme ça. Et voilà une haltère juste là. Hé, hey, les gars. Salut, ça va? Alors? Oui, on fait comme ça. Pour les muscles. Oh, je suis vraiment fatiguée. Non, mais arrête. Tu regardes où? Vas-y, encore. Hello. Je crois qu'il m'a fait un clin d'œil. Salut. Kate, qu'est-ce que tu fais? Oh, quel mec. Et quel muscle. On va les voir. Vas-y. Hello. Oh, salut. Les filles, vous êtes où? Oh non, je suis toute seule. Oh, c'est tellement lourd. Je crois que les filles ont quitté Mia et ce n'est pas normal. Je suis toute seule. Hé, hey, Mia, pourquoi tu pleures? Hey, non. Allez, je vais m'entraîner avec toi. Allez. Okay. D'accord. Tu te débrouilles plutôt bien. Enid a acheté une nouvelle voiture, ça a l'air cool. Voilà, vous êtes sur sa nouvelle voiture. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, la voiture comme la mienne, n'importe quoi. Les filles ne jouent pas, vos voitures ont l'air super. Pourquoi deviner qui a acheté le premier? Alors apparemment, c'est le challenge qui commence. Eh oui,
Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh oui, c'est le challenge. Oui, mon colis arc-en-ciel est arrivé! Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'une signe de décoration pour sa voiture? C'est ça! Je vais avoir une licorne en arc-en-ciel. Pour ce faire, il suffit d'accrocher un tapis arc-en-ciel doux. Oh, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il colle le tapis sur la voiture? Non, mais je veux pas que ma voiture soit la même, c'est n'importe quoi! Eh oui! Qui est licorne sans corne? Tadam! Et c'est prêt! Waouh, Winnie, ta voiture a l'air si magique et incroyable. Wednesday, comment ça va? Pour moi, je vais même pas commenter cette folie en arc-en-ciel. Mais j'ai une idée, je vais aussi décorer la voiture dans mon style. Il ne reste plus qu'à commander tout ce dont vous avez besoin. Et alors, soyez prêts. Et oui, le livreur est déjà arrivé. Et c'est le mandite. Oh, c'est le Dracula? Bon, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un spray noir, une bonne option pour colorer rapidement et proprement la voiture dans ma couleur noire préférée. Ce blanc avait l'air tellement horrible. Et voilà, maintenant c'est fait. J'ai bien sûr besoin d'accessoires. Je veux une voiture de vampire. Quentin a été mon inspiration. Ou Monsieur le Dracula, qui sait. N'oublions pas le plus important, les dents, les corps. Ma voiture a l'air si effrayante. Oh! C'est quoi cette obscurité? C'est la nouvelle voiture de Wednesday? Oh, Wednesday, inquiète, vos voitures sont magnifiques. Alors, Emile, t'as encore commandé quelque chose pour la voiture? Oui. Alors, ça va être quelque chose de cool. Alors, voyons voir. Maintenant, c'est plus du tout ennuyeux et j'aime beaucoup. Voilà, je vais mettre des tapis arc-en-ciel sur les sièges, comme c'est lumineux. N'oublions pas les sièges arrière. Voilà, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ma voiture. Et il faut pas oublier la couverture sur le volant. Oui! Il y a beaucoup de tapis arc-en-ciel et tout un arc-en-ciel. Mon Iggy-Waggy préféré, mon licorne préféré. Aucun voyage sans lui ne passe. Il faut pas oublier de mettre de plus d'un arc-en-ciel. Et voilà, j'adore tout ça. J'adore! Waouh, une jeune ferroto-voiture a l'air vraiment géniale! Oh, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais aussi faire l'intérieur, mais seulement beaucoup plus cool. Alors, je viens de remplir le tapis noir pour mes sièges. Alors, je vais mettre beaucoup plus de tampons noirs et mon Iggy-Waggy bien aimé qui a récemment brûlé et noirci. Et vous allez tout voir. Voilà. Maintenant, la couverture sur le ballon, j'imagine déjà que conduirez sur les routes et que mes mains seront sur ce volant. On le reste un peu et tout sera plus bien sûr. Un petit une petite tête de mort. Comme c'est effrayant, bien sûr. L'araignée. Et oui, il est là, mon chéri. Et comme c'est effrayant, j'adore ma petite squelette, mon meilleur ami. Alors, tu vas bien? Oui, Jonathan. Oh, non, mais qu'est-ce qu'elle passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh, salut! Ah, non, mais n'importe quoi! Il faut que je me cache ici! Alors, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu répares quelque chose? Ouais, chose, donne-moi cette clé. Ouais, non, mais ne sois pas paresseux. Et voilà, merci. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Non, mais... Oh, Enid, bonjour, comment tu vas? Oh, Wednesday fait quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi qu'il fait. Ouais, je vais te dire. Chose, la clé. Ouais, la chose. Non, mais je vais te trouver, monsieur le paresseux. Non, mais il n'aime pas travailler une fois demandé de l'aide et puis il s'est enfui. C'est quoi ça? Je n'ai même pas juré. Juste un peu en colère. Sors! Il est nulle part! Elle est tombée en enfer ou quoi? La chose, chose! Je vais te trouver, t'envoyer à tes parents pour le travail éducatif! Oh! Non, mais qu'est-ce qu'il fait au milieu de la. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette gueule? Hein? C'est bizarre. Hein? Alors? Oh! Une idée! Wednesday! Moi, la chose a ouvert un salon de beauté dans le coffre. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait? Chose! T'es puni! Je n'ai pas coupé mes rosiers dans le coffre depuis longtemps. Je pense qu'il est temps de le faire tant que j'ai du temps libre. Mes roses sentent si bon. Ma mère serait ravie. Je pense qu'il ne manque que mon lapin préféré ici. Wednesday?
qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, ton lapin, le troublant. Alors, vois ce qu'il y a dans mon coffre. Évidemment. D'accord, vas-y, on y va. Et maintenant, j'ouvre. Une seconde. Ah, bien sûr que je vais... Oui, oui, je vais fermer les yeux, comme tu veux. Je vais tout faire. Et va-t'en. Bon, j'ouvre le coffre. Je pense que t'adores les surprises. Oh, Annie, tu ne vas pas aimer cette surprise. Ça a l'air vraiment effrayant et dégoûtant. Oh, c'est le coffre de Wednesday. C'est donc très attendu. Donc, tiens, bon, ça va être très effrayant. J'espère que ce n'est pas décevant. Oui, non mais... Oui, c'est vraiment décevant. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Quelque chose de doux, quand c'est intéressant. Wednesday, j'aime vraiment les surprises, alors ne dis pas ça. J'ai déjà attrapé quelque chose de doux et petit. C'est un jouet? Alors, attends, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a quelque chose de collant? J'aurais pu penser que c'était un serpent, mais d'où vient? Oh, non! Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur des serpents! Elle a peur des serpents. J'adore mon joli serpent. Wednesday va jouer de son violoncelle. Je voulais l'écouter depuis longtemps. Qu'est-ce que l'horreur me verse dans les oreilles? Daignez ça! Celui-ci peut écouter cette musique. N'importe quoi. Oh, c'est ma pire ennemie du monde. Heureusement que j'ai acheté de nouvelles enceintes dans mon coffre. Alors, montrons ce que c'est la vraie musique. Et voilà. Hein? On a une bataille musicale? C'est génial. Qu'est-ce qu'il va répondre, Enid? Alors, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais les chats hurlent sur la fenêtre ou quoi? Non, mais arrête avec ton violoncelle. Oh? C'est quoi ça? C'est toi qui fais cette musique? Je t'ai appris une symphonie plus calme et plus classique. Pour moi, ça sonne très bien. Mais j'ai envie de danser immédiatement. Oh, Vicky, c'est génial. Vous avez aimé quelque chose en commun? Je pense que c'est super sympa. Chose, t'es un DJ, c'est cool. Alors, c'est la bonne danse. Oui, cool. Qu'est-ce que veut mon petit fils? Des frites. Génial, je vais faire des frites les plus délicieuses. Tu dois d'abord mettre de l'huile sur une poêle à frire. Et maintenant, il faut couper des pommes de terre en tranches et faire les frites correctement. Mamie, ça ne ressemble pas du tout à des frites. Ouais. C'est mieux, alors je gagnerai dans ce tour. Bon, je vais éplucher les pommes de terre. Oh. Quoi? Non, j'ai pas vraiment réussi. Oui, je vais faire comme ça. Yes! Maintenant, je pense que je vais réussir. Oui, c'est comme ça qu'on coupe les pommes de terre. Un, deux, et c'est terminé. Personne ne fait des frites dans une poêle. Il y a une friteuse. Tu mets les pommes de terre dedans. Et tu les fais frire dans l'huile. Regardez cette croûte dorée. Génial. Où sont mes frites? Non mais... Qu'est-ce que je dois faire alors? T'inquiète pas ma chérie. Mais quelle frite sans la sauce? Le ketchup n'est pas pour moi, je suis un chef cuisinier. Et tous les meilleurs chefs du monde font leur propre sauce. Et leur propre concentré de tomates. Et voilà un chef-d'œuvre, les frites parfaites. Tout le monde a déjà fait frire des pommes de terre et moi je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais. On pourra s'embêter quand tu peux simplement commander la livraison. Et voici des frites. Des frites faites maison. Des frites du chef. Wow, et tant de choses délicieuses. Sauf pour ça. Et ces frites ont l'air délicieuses. Je vais essayer. Oh, comme c'est épicé. Je veux pas d'épices. Qu'est-ce que nous avons là? J'adore ces frites. J'aime bien. Oui, j'ai gagné. Là là. Maman, qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je veux des œufs brouillés. Facile. Chaque plat doit être cuisiné avec amour. C'est pourquoi mes œufs brouillés auront la forme d'un cœur. Il
Pour faire frire une saucisse, j'ai envie de casser un œuf. Regardez comme c'est génial. Plus la chaleur est élevée, plus vite elle brille, n'est-ce pas? Oui, je mets la cuisine au maximum et maintenant l'œuf. La coque est tombée. Peut-être ça a passé inaperçu. C'est encore plus savoureux comme ça. Oh non, tu peux toujours voir la coquille. Il faut trouver une solution. Je vais tout mélanger. Oh ma chérie, t'as fait une erreur, je pense. Je vais ajouter du lait alors. Maintenant, on peut plus rien voir en fait. Regardez. Regardez, apprenez. C'est comme ça que le vrai chef cuisine. Hop, la poêle à frire. Nous allons avoir besoin d'un grille-pain. Je vais couper les oignons et l'ail. Puis l'avocat. J'ai mélangé le tout. Super. Maintenant, je vais utiliser un mixeur. C'est un super mélange. Je dois le tartiner sur des toasts. Comme ça. Et maintenant, c'est l'heure des œufs. Une seule suffira simplement. Je le casse dans un bol. Et je mets le bol dans une casserole d'eau bouillante. C'est un œuf merveilleux que j'ai fait. Il ne reste plus qu'à le servir joliment. C'est incroyable. La touche finale. Ouais. C'est cool. Oui, c'est vraiment très cool. J'ai besoin de servir ce plat aussi. Le ketchup et la moutarde feront l'affaire. Chérie, t'es sûre? C'est fait. Nous verrons, nous verrons. Ça n'a pas l'air bon. Wow, un cœur. Mamie, ces os sont définitivement laitiens. Débarrasse-toi de la fourchette. Je l'ai attrapé avec mes mains. Miam. Qu'est-ce que nous avons là? Cela semble intéressant. Et le goût? Ouais, c'est bizarre un peu. C'est ma mamie qui a gagné. Oh, mon petit-fils, je suis tellement excitée. Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? La pizza. La pizza? C'est compliqué. Et comment la faire? Je pense que je dois pétrir la pâte. Ah oui, ça fonctionne. Oh, pas vraiment. Ah, pourquoi c'est si collant? Oh, j'ai une idée, moi. Prends ma pâte, ma chérie. Merci, mamie. Et toi? Hey. Ah, c'est vrai. Ah, pas de problème, je vais faire une nouvelle pâte. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mélanger quelques ingrédients. Et si je verse la pâte sur une poêle chaude, cela fera une excellente base de pizza. Ensuite, je verse le ketchup et j'ajoute des légumes. Et un peu de fromage. Voilà. Tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre. Non, mais qui fait des pizzas comme ça? T'as besoin de farine spéciale pour la base. Seuls les professionnels comme moi le savent. Je pétris la pâte. Maintenant, je forme la base. Et pour ce faire, je fais voler la pâte. Comme ça. Wow, je vais le faire aussi. Allez, vole! Oups, elle est tombée. Maintenant, c'est tout sale. Comment je dois tout réparer? Je sais, un peu de camouflage ne ferait pas de mal. Bon. Un peu de ketchup, des olives, du pepperoni et de la saucisse. Ah, tu vas aussi tout rouler. Ouais, tu fais juste comme ça. Quel cauchemar! Je regrette de ne pas avoir vu ça. Plus de légumes. Pas de tomates, pepperoni et fromage. Rien de plus. Maintenant, je vais mettre la pizza au micro-ondes. Bon, ça va être incroyablement délicieux. Micro-ondes? Non, un grille-pain serait suffisant. J'aimerais le mettre dedans. Bon, c'est pas assez compris en fait. Je pense que ça a bien tourné. Ouais. Voici ma pizza. Voici ma pizza.
mon chef-d'œuvre. Eh bien, faisons un essai. Je pense que quelqu'un voulait m'empoisonner. C'est horrible. Et maintenant, ça a l'air bon. Je vais essayer. Et ça a aussi bon goût. Waouh! Cette pizza est parfaite. Et la plus délicieuse. Qui d'autre aurait pu gagner si ce n'est pas moi? Allez, allez! Je veux des crêpes. Je suis la maître des crêpes. Facile. Je vais augmenter le chauffage. Super. Et maintenant, je vais verser la pâte avec précaution. C'est très important de le retourner à temps. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire plein de petites crêpes quand on peut en faire une grande. De plus, une crêpe ordinaire est ennuyeuse. Mais avec des bonbons à la gelée, c'est génial. Oh, la marmelade a fondu. Oh, qui l'aurait cru? Bon, je vais faire une autre crêpe. Cette fois-ci avec des M&M's. Et une autre avec des vermicelles colorées. Et moi, je vais arroser les crêpes de sirop d'érable. Ils sont bons. Bon, on peut pas se laisser distancer, je sais. Si j'ajoute du Nutella à la pâte, cela donne une pâte au chocolat. L'essentiel de bien mélanger le tout. Je mettrai une pépite de chocolat au centre. C'est génial. Les baies sont destinées à garnir les crêpes. Je vais arroser le dessus de sirop de fraise. C'est génial, ça. Oui, parfait. C'est fait. C'est fait avec amour. Les meilleures crêpes du monde. Tu as préféré le mien. C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Burk, c'est pas comestible. Les crêpes de grand-mère... Oh, c'est bon. Allons voir. Qu'est-ce qu'il fait le chef? Super. Mais mamie a gagné. Ouais. Bon, ça va être quelque chose d'intéressant. Je vais en baigner. Faites-moi les beignets. Facile. Ok. Oui, oui, ça sera fait. Bon choix. Quoi? Ils ont déjà commencé à cuisiner? Eh bien, la pâte est prête. Découpons les beignets à l'aide d'un moule spécial. Trois suffiront. Et le temps de faire chauffer la poêle. Il s'agit de régler la bonne température. Je vais mettre beaucoup d'huile. Oh, come on! Ouais, ça a l'air... Ouais, hop! Non, mais ne fais pas ça, mamie. Ouais, deux secondes. Oups, bon, qu'est-ce que c'est ensuite? L'huile. Bon, ça, je pense que ça va suffire. On attend un peu. Quoi? Non, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais mettre ça ici. Un, deux, trois. Horrible! Non, mais l'huile est partout! Tom, pourquoi t'as fait comme ça? Oui. Je dois sauver mes beignets. C'est terrible. Je crois que quelque chose a mal tourné. Mes beignets sont fichus. C'est un échec. Ne te sens pas mal, chérie. Voilà. Mes beignets sont presque prêts. Je vais les décorer. Découpons ici. Comme ça. L'homme mange avec ses yeux. C'est pourquoi l'apparence est la chose la plus importante. Tout doit être bon. Bellissimo. Oh, oui. Oui, oui, c'est pas mal. Mais mes beignets seraient quand même meilleurs sans décoration. Awesome. Comme ça. Ouais, vous êtes bon. Et moi, j'ai une idée. Un peu de fromage. Comme ça. Super. Je verse le sous forme de beignet.
Je vais utiliser mes cheaters préférées pour les garnitures. Un peu de travail au marteau. Est-ce qu'il sait ce que c'est le beignet? Ouais! Je l'utilise comme saupoudrage. Cool! Bon. Oui, il manque quelque chose. Cool! Mais il manque quelque chose. Oh, mamie! Est-ce que je peux prendre ça? Oui, vas-y, prends. Merci. Maintenant, je peux jeter la poêle à frire, mais la cuisinière sera très utile. Ensuite, j'ai besoin d'une feuille d'aluminium. Oui, je vais emballer mes deniers au coin. Je les envoie directement à la cuisinière. On dirait que tout est prêt. Nous pouvons servir tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Cool. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est tellement cool. Oui, tellement différent. J'ai commencé par ça. Oui, c'est tellement appétissant. Cool. Il y a de la farce à l'intérieur. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon? C'est quoi ça? Juste un beignet? Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Oh, waouh. Oui, c'est le beignet au fromage. C'est génial, ça. Bon, mais je préfère quelque chose de secret, chef. T'as gagné. Oui, ouais, je le savais. Bien, maintenant, c'est le sandwich. Pas de problème. Non, tu peux pas me battre. Okay. Ah, je sais. Je vais faire le sandwich sucré. J'ai besoin de Nutella. Bon. Je l'étale. C'est fait. Et ensuite, il me faut des marshmallows. Come on! Ouais. Parfait. Et bien sûr, le chocolat. Oh, really? Et aussi, ajoutons les bonbons arc-en-ciel. Et il faut ajouter la sauce. Ça va être super sucré, super bon. Et en plus, super bon. Ouais, c'est fait. Ouais. Ouais, c'est fait, enfant. I've got it. Oh, come on. Cauchemar, tellement de sucre. Je fais un sandwich normal. Un peu de jambon, un peu de fromage. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est de faire cuire le tout. Awesome. Génial. Ok. Maintenant, je retourne tout ça. Et voilà, ça va être prêt. Mon Dieu, aucune originalité. Ouais. Le pain, c'est parfait. Perfecto. Laitue. Tomate. Et maintenant, un sandwich, pas de viande. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon ingrédient secret. Ce sont les escargots français. Comme ça. C'est affreux, ça. Nous devons faire sortir ces beautés de leur coquille. Je vais être malade. Oh! Je ne comprendrai jamais ces choses fantaisistes. Quel cauchemar et des coquilles. Ces moules sont parfaites pour mon sandwich. C'est dégoûtant, Burke, c'est dégoûtant. Ça s'appelle de la haute cuisine. Il manque quelque chose. C'est vrai, le fromage dort plus. Il se bat très bien avec les fruits de mer. C'est ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mamie, ne te rennuie pas. Eh bien, nous y voilà. Quel cauchemar. Bon, vous êtes prêts? Waouh, des beaux sandwichs. Je vais commencer par celui-ci. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Horrible. C'est dégoûtant. Oh non! Oh, ça a l'air beaucoup plus appétissant. J'adore. C'est délicieux. Oui, j'adore les sucreries. Bon, le dernier. Bon, c'est bon. Il est génial. Mamie, c'est bien. Félicitations. Ouais, enfant.
Alors, quelle est la prochaine étape? Et maintenant, je veux... Ouais, du César! Cool! Enfin! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parti! Couper les tomates, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Ouais, pourquoi j'y arrive pas? Oh, allez, tenez bon les tomates. Bon, je vais réussir là. Mais attention, jeune homme. Attention, jeune homme. C'est facile quand même. Regarde. Un, deux, un et deux. Un et deux. Et c'est tout. Maintenant, t'ajoutes tout ça au feu de salade. Et ouais, le poulet, bien sûr. Beaucoup de poulet. Parfait. C'est juste ce qu'il faut. Oh, ces amateurs, j'ai une idée. Un peu de roquette fraîche. Et oui, l'ingrédient secret. Tout ça dans le mixeur. Et un bon coup de fouet. Parfait. Voilà. N'importe quoi. Oui, une petite casserole. J'y verse tout le liquide. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se vante tellement. Je n'en ai aucune idée. C'est bizarre, ça. Bon, peu importe. Une grande seringue. Et voilà la magie. Ouais, la cuisine moléculaire. Okay. Ajoutons des feuilles de laitue. Come on! Des tomates. Et bien sûr, du poulet. Come on! Des tranches comme ceci feront très bien l'affaire. Un peu de chapelure et bien sûr, du fromage. Oui, c'est parfait. C'est fait. Ouais. J'ai presque oublié le râpeur du fromage. Comme ça. Hé, qu'est-ce qui se passe? Couper les légumes, c'est tellement amusant. Oh non. Je peux pas le faire. Je sais. J'ai de super chewing-gum. Je l'utilise comme une feuille de salade. Ok. Ouais, c'est pas mal. Des yeux de marmelade. Awesome. Je vais ajouter des marshmallows et des verres de marmelade. Voilà, ma salade. Juste ce qu'il faut. N'importe quoi. On est prêt. Voyons voir. Okay. Je vais commencer par lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Burk. N'importe quoi. Définitivement non. Et qu'est-ce que nous avons là? Eh bien... Oui, de la laitue. Rien d'extraordinaire. Et ici, quelque chose d'intéressant. Waouh, c'est bon ça! Oui, lui a gagné. Ouais! Enfin, j'ai gagné. Qu'est-ce qu'il a dit? Hé! Oh. Hey, regarde, elle n'a pas fermé le casier. Okay. Découvrons ce qu'il y a là-dedans. Je pense que ce sont des coffres-forts. Wow. Il doit y avoir quelque chose de très précieux à l'intérieur. J'y tends un coup d'œil. Non, stop! Oh! Où sommes-nous? On dirait qu'elle est en train de relever le défi. Je dois ouvrir mon coffre-fort en première. Il sourit. Oh, wow! Une pile de pop-it couleur vive. C'est génial. C'est génial. Ouais. C'est le bon moment pour jouer et les calmer un peu. C'est bizarre. Pourquoi c'est si bon? Et ça sent si bon. Ah oui, c'est de la marmelade. Il y en a tellement. Je peux les manger tous en même temps. C'est vraiment difficile de s'arrêter. C'est tellement délicieux. Les pop-its à la marmelade. Je pense qu'elle en a laissé un dernier après tout. Probablement juste pour nous. Pour que nous puissions essayer. Et arrête, c'est à moi. Ah,
ça fait mal. Il est grand temps de découvrir ce qui m'attend. Je pense que c'est quelque chose de très doux. C'est des vers vivants. What? Je ne vais pas les manger. Non, je veux pas, c'est en train de ramper. T'inquiète pas pour ça. Ils sont tous partis. Partis? Mais c'est tout sur moi. Aidez-moi. Ils essayent de me manger. Je pense que l'aspirateur va m'aider. Il mangera tous les vers en rien de temps. Mais il ressemble à des moustaches. Ça a l'air ridicule. Je vais l'enlever. Oh, qu'est-ce qui se passe avec tes lèvres? Non, mais il faut que je mange le verre, là. Voilà. Oui, c'est fait. Les lèvres sont tout à fait prêtes aussi. Tu te moques de moi, non? Pourquoi ne goûte pas les beaux verres? Prends ça. Ils sont à moi. Qu'est-ce que je dois faire? C'est horrible. Allez, ne crie pas. Regarde juste ce qu'il y a dans ton coffre. Et voilà, c'est une... potion. J'espère que je ne vais pas transformer en grenouille ou en ver. C'est bizarre, je ne ressens rien du tout jusqu'à présent. C'est la même chose qu'avant. C'est bizarre. Oh non, quelque chose est en train de m'arriver. Les filles, à l'aide. Je pense qu'une potion de rétrécissement. C'est de la taille de ta main aussi. Eh bien, je vais te remonter. Regarde comme t'es mignonne. Hey! Oh, tellement petite. Ah, toi, tu mords? Ça fait vraiment mal. Bon, je vais quand même m'occuper de toi. Tu vas te battre contre un vrai serpent. Tu penses que j'ai peur d'elle? Je peux démolir cette chose à un battement de cœur. Je me demande qui va gagner. Je sais pas encore, mais je pense que le ver est plus fort. Le ver? Je l'ai déjà battu, prends ça. Tiens. Oh oui, il a vraiment gagné. Qu'est-ce que vous avez pensé? C'était un combat très cool. Vous avez vu comment je suis forte? J'ai le bonbon cette fois-ci, alors je vais d'abord ouvrir mon coffre-fort. Oh, c'est ça. C'est mon cocktail de tous les Mars. Je les adore. Qu'est-ce que j'attends? Il est temps de boire. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que ça ne coule pas? Bouteille stupide. Ouais. Comment tu peux ne pas comprendre? Écoute, laisse-moi te montrer comment boire. Quoi? Allez. Ouais. Je plaisante. Ah ouais? Je n'ai pas de donner à boire. C'est à moi. Je peux le voir sans toi. T'es si radite. Je vais te donner une leçon. Ça t'apprendra à ne pas partager avec tes amis. Qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, je suis toute mouillée. T'aurais pu boire toute la bouteille. Je croyais que nous étions amis. Ouais, arrête de pleurnicher. Demande à Diane d'ouvrir son coffre. Quoi? Poisson? Oh non. C'est une bonne chose qu'elle ne soit pas à nous. Mais tu dois quand même manger. Ce sont les règles. Je n'ai pas besoin que tu le saches. Faisons un essai. C'est trop important. Non, je peux pas faire ça. Ce n'est pas bon. Je ne mangerai pas. Comment ça? Je te le dis, ce sont les règles. Alors vas-y, mange. Très bien. Donc faire ça aussi vite que possible. Voilà. Oh non, pourquoi j'ai besoin d'un squelette? Et arrête de rire. Allez, Marie, ouvre ton coffre. J'adorerais. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de Skittles, je veux dire, je les aime. Pourquoi si peu? Ça a un goût normal. C'est juste un bon bonbon. Dans l'ensemble, j'en suis heureuse. Regardez. Ce bonbon au fond de l'effet maintenant. Oui, c'est trop cool.
c'est le cas. Tu me laisseras en essayer? Okay. Ouais. Cool. Oh, regardez, maintenant je suis aussi un bonbon. Diana, t'en veux? Come on! Non, merci. Je mangerai pas tous tes boutons. Coucou. Une fois de plus, je serai la première à ouvrir le coffre-fort. Mmh. Je pense que nous sommes tous d'accord. C'est ce que j'appelle un cadeau. Wow. On ne peut jamais avoir trop d'iPhone. Et quelle belle photo t'auras sur elle. Regarde ça. J'en veux aussi. Laisse-moi avoir une photo. Va-t'en. Et ne gâche pas tout pour moi. Rends ça, c'est à moi. Je le veux. Les filles, arrêtez de vous battre. Donnez à moi. Trouvez à qui appartient ce téléphone et je vais jouer avec. Comment tu oses? Donne-le-moi. C'est à moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Mon nouveau téléphone. Non. Oups, je ne pense pas qu'il soit dans le meilleur état maintenant. Que cela est ta faute. Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'avais plus d'iPhone. Mais c'est quelque chose de cassé. Pendant que tu supportes ça, je vais ouvrir mon coffre. C'est bizarre, pourquoi c'est vide? Voyons ce qu'il y a là-dedans. What? Oh non! Pas la grenouille! J'ai peur d'elle. Aidez-moi. Je ne veux pas cet animal. Je ne veux pas cet animal. Vas-y, saute d'ici. Qu'est-ce que j'y gagne? Non, mais c'est à toi et je dois le manger. Non, pas du tout. Et si c'était un prince charmant? Alors je serais une vraie princesse. Il faudra vérifier ça. Ok. What's the matter with you? Alors, le prince? Je pense pas que c'est ça. Bon, je pense que c'est à moi de vérifier. What? Oh, wow. Une sorte de chapeau. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Mais qu'est-ce que je dois faire avec une grenouille? What? Je déteste te dire ça, mais je pense que ta grenouille s'est maintenant transformée en pierre. Wow. En pierre? Un rocher? Bizarre. Mais pourquoi c'est marron? Ah, c'est vrai! C'est du chocolat! Ce n'est pas seulement du chocolat, c'est du chocolat délicieux. Écoute, ton chapeau peut faire ça à mon iPhone. Découvrons-le. Ça a marché. C'est trop cool. Maintenant, j'ai un iPhone en chocolat. En plus, c'est délicieux. Alors, le chapeau n'est donc pas inutile. Mais est-ce que je peux le porter? Je pense que c'est bon. Oh, wow. Maintenant, toi et moi, avons maintenant chocolat Marie. Vas-y, on mange ses doigts. Non, on ne va pas se moquer d'elle. On va juste enlever le chapeau. Et ensuite, elle sera comme elle a toujours été. Vas-y, essayons. Oh, merci. Vous m'avez sauvée. Je pensais que j'allais être en chocolat pour toujours. Délicieuse friandise matin cette fois-ci. J'espère qu'il y a quelque chose de super délicieux. Oh, Nutella. Je l'adore. Je mangeais le pot entier. Wow. Oh, désolée, Clarissa. Le couvercle est volé s'asseoir directement sur ta tête. Oh, ça ne veut pas dire qu'elle doit me frapper en visage maintenant. Allez, ne sois pas offensée. Je suis juste très stupéfiante par ces délices à venir. Je suis sûre que le Nutella sera délicieux, comme toujours. J'avais raison. Oui, mais c'est à moi. C'est ma Nutella. Et pourtant, il reste une goutte sur le bec. Cool. Sur ton nez. Et moi, je suis toute couverte de Nutella. Oui, on peut voir ça. T'es à fond dedans. Je pense que nous devons aller plus loin pour trouver maintenant. Oh non, maman, c'est coincé. What? Haha, gourmande, il faut manger moins. Je regrette que tu n'aies pas ri et tu n'aies pas aidé. Vas-y, Clarissa, aide-moi. J'essaye. Vas-y, on peut le faire. Vas-y, tire. Oh, cool. Nous avons beaucoup de Nutella maintenant. Dépêchons-nous et mangeons tout.
Je vais bien. T'inquiète pas pour moi, je suis en vie. What? Vous avez tout mangé? Comment vous... Oh, il y a encore du chocolat. Tu peux le manger directement dans ta main. What? Come on! Ok. Pendant que tu manges, je vais découvrir ce qui m'attend. Quelque chose qui pue. Oh non, pas de fromage. Je t'en supplie. Malheureusement, c'est exactement ce que c'est. Je ne veux pas le manger. S'il te plaît, aie pitié. Il est si méchant, n'est-ce pas? Moins de mots, plus d'action. Allez, prends une bouchée. Horrible. Oui, ça a l'air tout simplement dégoûtant. C'est le cas. Je ne peux pas l'avaler. C'est trop dégoûtant. Bien que... Ok. C'est parti. Cool. Come on! Oui, cool, maintenant découvrons ce qui m'attend. Je pense que nous devrions y aller.